On refait le Mac, le podcast chaque semaine. Vous retrouvez sur le site www.onrefaitlemac.com le débat high-tech numéro 1 en France. Cette semaine, nous allons nous intéresser à l'iPad mini. Tout de suite, c'est le sommaire. Depuis plusieurs semaines, les rumeurs de la sortie d'un iPad mini se multiplient sur la toile. Une version plus petite de la tablette d'Apple va-t-elle être dévoilée prochainement? Y a-t-il vraiment urgence pour la pomme de répondre au Kindle Fire d'Amazon et Nexus 7 de Google? Quelles caractéristiques, quel prix et comment positionner cet iPad sans faire de l'ombre au nouvel iPod Touch? Débat. Et nouveauté cette semaine, les bons plans dont refait le Mac. Une promotion spéciale vous est réservée, rien que pour vous par Macway, sur un produit à découvrir en fin d'émission. On refait le Mac épisode 114. L'iPad mini, info ou un tox ? On refait le Mac. Avec comme chroniqueur cette semaine, Cédric Ingrand de la chaîne Info. Bonjour Cédric. Salut Olivier, cette semaine relégué ici. On est peu de choses, hein. La semaine dernière c'était Tokyo, le charme, un peu se calmer, Cédric, le glamour, hein. L'exotisme de l'Asie, et cette semaine je suis dans la lingerie, voilà. Voilà, ça fait au fil. Là tu es puni, tu as trop vagabondé, c'est pas bien. Autre chroniqueur ou chroniqueuse que vous retrouvez désormais dans Reflema, qui nous sert également de vigie sur Internet, c'est elle qui va lire vos questions Twitter et qui les sélectionne sur le Twitter d'On refait le Mac. C'est bien sûr Fanny Bouton de fannysparty.com. Bonjour Fanny. Bonjour. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas trop de décalage. Moi aussi, j'ai une fracture numérique. Je ne suis pas dans la lingerie, je suis en Seine-et-Marne. Oh. Avec de la DSL. C'est pire. Vous êtes tous punis, tous mis à l'amende, tous ceux qui sont partis à Tokyo la semaine dernière. Autre chroniqueur récurrent d'On refait le Mac, c'est Monsieur X, cet ancien responsable d'Apple qui avance visage masqué. Bonjour Monsieur X. Bonsoir Olivier, j'avance peut-être un visage masqué, mais maintenant j'avance avec un iPhone 5. Eh ben dis-moi, tu as patienté pour l'avoir. Ouais. Non mais ça c'est un bout de bois, parce que forcément non. Avec le cryptage... Ah non, regarde, oh yeah. C'est un bout de bois éclairé de l'intérieur alors. 64 gigas. Modèle noir, on va manger des pâtes. C'est vrai qu'avec la housse, c'est dur de le reconnaître. Et enfin, dernier chroniqueur habituel de Refait le Max, c'est bien sûr Rodrigo Sepulveda Schulz, investisseur, podcasteur et entrepreneur. Bonjour Rodrigo. Salut Olivier, comment ça va? Oh, bah, ça va, je te remercie. Un peu sûr. On enregistre en plein jour. Bon, enfin, en plein jour, il ne faut pas exagérer, mais deux jours, oui. Il commence à faire nuit derrière. On a mis des lumières. Bah, oui, il fait surtout gris, mais enfin, on est à un horaire décent. Et pour nos amis sur Twitter et les autres, tiens, regarde, c'est l'apéro. Ah oui, c'est l'avantage. Oui, c'est l'avantage d'enregistrer à la maison, Rodrigo. Eh bien voilà, donc chin, et puis un petit chin-chin aussi à notre monteur préféré qui adore le whisky aussi. Oui, François Bontemps, notre monteur et réalisateur, bien sûr, qui chaque semaine ne démérite pas. Pour casser un mythe quand même. Pour qu'On refait le Mac arrive en temps et en heure chaque week-end. Non, mais pour casser un mythe quand même, je suis pas un poireau, je bois que du bon et je bois que avec des amis. Donc voilà, avec modération, avec modération, bien sûr. Mais toujours, mais toujours. Alors, messieurs, dames, nous allons tenter de décortiquer un petit peu la rumeur qui s'est emparée encore une fois d'Apple et notamment de l'iPad mini. Ça fait pas mal de semaines qu'on entend parler de la possible sortie, la possible arrivée prochaine d'une mini-tablette de chez Apple. La rumeur est venue du site technologique du Wall Street Journal, à savoir Wolfing Digital, et de la plume de Jim Dalrymple, je ne sais pas si je prononce bien, qui est, vous savez bien, qu'en quelque sorte, le porte-parole officieux d'Apple aux États-Unis, comme quoi Apple préparait un iPad mini pour prochainement, et dont le lancement était prévu pour le mois d'octobre. Les rumeurs se sont emballées, le blog Apple 2.0 sur CNN Money et Fortune a confirmé la rumeur qu'il serait bien là, il serait bien dans les starting blocks cet iPad mini, et qu'il arriverait le 17 octobre, soit dans une semaine jour pour jour par rapport à cet enregistrement, puisque nous enregistrons mercredi soir 10 octobre. Normalement Apple envoie ses invitations une semaine à l'avance. Pour l'instant, sur nos téléscripteurs, sur nos mails, nous n'avons rien reçu. Pour l'instant, nous n'avons rien reçu. J'espère que ça va pas arriver d'ici la fin de l'enregistrement. Alors, et surtout que je crois, Cédric, toi de ton côté, le 17 octobre, tu as reçu une invitation. Non, mais il se trouve que, souviens-toi, lors de la dernière keynote, il y avait l'iPhone 5, et puis il y avait aussi toute la nouvelle gamme des iPods,
qui eux arrivent, ça y est, dans le commerce, dans les jours à venir, et donc Apple va permettre à la presse de les regarder de plus près la semaine prochaine. Alors, est-ce que ça veut dire que certains se seraient emballés parce qu'il se passe des choses chez Apple autour du lancement des iPods? Pourquoi pas? Mais je pense que si, l'iPad mini, l'iPad mini is for real, il va arriver, c'est sûr. Oui, il va arriver, mais alors est-ce qu'il va arriver la semaine prochaine? Ça semble pas gagné. Surtout que, monsieur, est-ce que c'est habituel chez Apple de lancer un produit, enfin d'annoncer un produit à un moment où le lancement, la disponibilité d'un autre arrive, à savoir l'iPod Touch, notamment avec l'écran de 4 pouces, qui sera officiellement disponible la semaine prochaine, du moins pour la presse? Non, parce qu'ils évitent évidemment de chevaucher deux introductions produits pour n'avoir qu'un seul message à la fois. C'est plus simple en termes de communication et c'est une belle règle. Mais je crois que le point entre guillemets de défiance sur l'introduction potentielle de cet iPad mini, c'est plutôt le mois d'octobre tout court. Si tu veux lancer un produit qui est supposé faire du volume pour Noël, il faut peut-être pas l'annoncer en juillet, hein. Tu peux l'annoncer en septembre, mais commencer à négocier avec les distributeurs en juillet. Et il n'y a rien qui a fuité, on n'a pas entendu d'écho de ce côté-là, donc c'est ce qui me fait dire que ça restera une rumeur. Moi, oui, Fanny. Moi, j'ai eu une petite fuite a priori de chez un distributeur que je ne peux pas citer, mais a priori, une petite fuite. A priori, il y aurait de la prévision pour les rayonnages à la fin du mois. À la fin du mois. Il y a des consignes. Ce qui correspond à peu près à ce qui s'est dit également sur Internet, comme quoi le produit arriverait la dernière semaine d'octobre. Surtout que la dernière semaine d'octobre, messieurs, dames, c'est un moment important également pour la planète high-tech, puisque c'est le lancement de Windows 8, hein, le 26 notamment, et la version Surface qui sera dédiée aux tablettes. Donc ce serait peut-être un moyen pour Apple de contrebalancer et de faire, contrebalancer l'annonce de Microsoft, Cédric. Ouais, je le voyais pas comme ça, il faut jamais oublier, mais je pense que Monsieur X en parlera plus efficacement que moi, que je suis même pas sûr qu'Apple réfléchisse comme ça. Apple, ils ont leur calendrier à eux, le reste du monde, ils s'en foutent un peu, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est vrai, c'est la règle de base, Cédric, mais maintenant, ils font quand même un peu plus attention en ce moment qu'avant. J'en veux pour témoin cette quinzaine toujours très très... riche en événements, qui est la première quinzaine de janvier, où il y a le CES, il y a en général un salon où est présent Microsoft, et puis Apple n'est pas là, et fait ses annonces produits un peu en décalé, donc oui, ils ont leur planning, ils s'en fichent des autres, ils font quand même attention à ne pas faire d'annonces pendant les événements des autres. De là... Parce que s'ils devaient faire une contre-programmation, j'ai envie de dire, ils la feraient par exemple autour d'une nouvelle gamme d'iMac, de MacBook, de MacBook Air, etc. etc. Là, si tu veux, l'iPad mini... oui, qui ne sont pas tactiles. L'essentiel du marché de Windows 8 pour l'instant, ce sera... Mais enfin, en même temps, c'est compliqué parce que Windows 8, ce sera aussi sur les mobiles, etc. Donc, est-ce que... Ouais, non, j'y pense pas comme ça. Je pense plutôt qu'ils ont un calendrier avec pas mal de produits là à lancer entre septembre et fin octobre pour que tout soit sur les rayons à Noël. Il n'y a pas mille possibilités pour faire ça, quoi. Alors, tu l'as dit, Cédric, la certitude, a priori, si Apple a décidé de s'investir et de lancer un iPad mini, c'est qu'il faut qu'il soit disponible avant Noël, sinon il n'y aurait pas forcément une urgence particulière à le sortir en cette rentrée, surtout que l'iPhone, tu en es le monsieur X un petit peu la victime collatérale, est à peine sorti, il y a quand même quelques difficultés à fournir, que le lancement est encore tout frais, il faut quand même laisser le temps à se décanter. Je parle marketingment parlant, que la chaîne logistique, même si ce ne sont pas les mêmes produits, soit huilée, et c'est pas évident de lancer quasi simultanément deux produits aussi majeurs. C'est un produit majeur, mais c'est pas un produit attendu. Je parle de la chaîne logistique. Hein. Oui, mais on sait. Oui, mais ils savent pas combien ils vont en vendre. Là, on n'a pas le recul de. C'est pas le nouvel iPad ou le nouvel iPhone. On se dit, on en a vendu tant la dernière fois, donc cette fois-là, c'est le débat qu'on avait la dernière fois sur est-ce que les ventes de l'iPhone 5 sont décevantes ou pas. Non, là, ils peuvent pas savoir. Donc de toute façon, c'est pas très grave s'ils en ont pas énormément les premiers jours. Pas énormément. Ça veut dire quelques millions quand même. On a une question des auditeurs, il y en a beaucoup, il y en a plusieurs en tout cas qui se posent la question de savoir si justement c'est pas un produit pour suivre Google ou justement Kindle et Amazon et plutôt que d'innover pour une fois et de se placer dans les pas de
Désolé. Alors c'est exactement ça. Moi j'ai vu un papier qui est sorti hier, ouais, qui disait qu'effectivement il y a un marché qui a été pris par des tablettes à 7 pouces, donc le Nexus 7 et le Kindle Fire, et que cela allait concurrencer un petit peu la part de marché d'iPad sur le marché global des tablettes. Donc Apple, pour une fois, irait contrer ces deux acteurs-là en se disant « je vais étendre le gâteau qui aujourd'hui est détenu par l'iPad et aller le chercher dans la gamme plus basse qui a été créée par d'autres ». Donc oui, c'est tout à fait logique. Et comme ils ont plus de 80% de la part de marché des tablettes générales, et bien là, ils vont continuer à étendre le marché. Alors, est-ce qu'il y a vraiment urgence, essayons de comprendre pourquoi Apple devrait sortir si rapidement un iPad mini. Est-ce que, selon vous, et je me tourne vers Cédric puisqu'il utilise tous les jours un Nexus 7, est-ce qu'il y a vraiment urgence pour Apple de dégainer un iPad mini là, très vite avant les fêtes? Parce qu'en clair, non seulement Google avec Nexus 7 pourrait lui tailler des croupières, et puis surtout Amazon, qui était le premier hein, à sortir une tablette vraiment à bas coût, avec des performances dignes de ce nom, et surtout qu'ils viennent de renouveler leur gamme. Bah, urgence, c'est compliqué, mais là encore, c'est toujours l'histoire du calendrier d'Apple. Le sortir pas maintenant, mais le sortir quand? Novembre, pas terrible. Décembre, c'est mort. Janvier, sortir une tablette en janvier, ça ressemble à rien. Et après, on retombe dans le cycle infernal des sorties chez Apple, c'est-à-dire celle du nouvel iPad. Alors, ou alors, il faudrait attendre la sortie du nouvel iPad pour le sortir en même temps, en disant voilà la nouvelle gamme d'iPad. Bon, pourquoi pas? S'ils le sortent aujourd'hui, c'est qu'ils peuvent le faire. Au mois de mars, est-ce qu'il y a... Oui, c'est ça, au mois de mars. Est-ce qu'il y a urgence à le faire? Oui et non, je pense pas que l'idée d'un iPad plus petit soit venue chez Apple il y a 4 mois, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est un truc qui court depuis plus longtemps, même si Steve Jobs avait dit que non, dans un format de 7 pouces on sait rien faire de bien, mais c'est pas grave, c'est quand même lui qui, enfin, il s'est déjugé assez rapidement quand la technologie l'a permis et que le marché l'a demandé, donc il y a urgence quand même parce que la concurrence est forte et puis parce qu'elle s'amplifie. Et puis parce que il y a trois choses là qui vont sortir juste dans la galaxie, sans jeu de mots, des Nexus. Aujourd'hui la tablette Nexus 7, elle existe en 8 et 16 gigas. 8 c'est celle que j'ai, celle qui a été distribuée à la conférence développeur de Google. C'est bien, mais honnêtement c'est pas suffisant. 16 c'est bien, mais pourquoi pas faire 32? Il y a une 32 qui arrive, une 32 gigas. Et il y aurait même, alors on ne sait pas dans quelle configuration exacte, une configuration à $99 de la Nexus 7 qui arriverait bientôt. Et là, wow. $99, wow. Là, ça fait peur, mais même si on sait que c'est pas sur cette gamme de prix-là qu'Apple va aller creuser, parce que ça ne voudrait plus rien dire par rapport à sa philosophie sur le prix, du marché. On va aborder le thème du prix. D'accord. Et alors juste et rappelons alors que l'iPad est facturé 409 € en France, hein, $400 aux États-Unis. Absolument. Hein, l'iPad 2. L'iPad 2, c'est un truc qui va mourir. Pour le prix d'un iPad 2, vous auriez potentiellement 4 Nexus si Samsung suit. Enfin, Samsung, oui, si, mais à mon avis, elles doivent être. C'est Asus et Google. Ouais. Si Google et Asus suit cette stratégie-là, c'est redoutable. Ça, c'est sur l'entrée de gamme. De l'autre côté, il se passe aussi quelque chose, une rumeur très persistante d'une nouvelle tablette Nexus, parce que jusqu'à là, il n'y en a qu'une, ouais. C'est-à-dire estampillée Google, qui serait une Nexus 10. 10 pouces et qui là il reste battre clairement sur le haut de gamme. On connaît pas les prix. La seule caractéristique saillante qu'on connaisse à ce jour, ce serait la résolution de l'écran qui serait supérieure à celle du dernier iPad. Ouais, plus fort que le New Retina. iPad. Voilà, du Retina. Mais ce serait un 10 pouces. Plus fort que le Retina. Mais ce serait un 10 pouces. Oui, et alors que Jeff Bezos a présenté il y a pas très longtemps la nouvelle gamme d'iPad, d'iPad, de Kindle Fire, il a montré effectivement un nouveau. Il y avait déjà, on connaissait le Kindle Fire de première génération. Et puis il a sorti une nouvelle génération avec un écran légèrement plus grand. Alors je cherche, je trouve pas mes notes parce qu'on est parti dans tous les sens là. Oui, il y a du 8.9, voilà. Je crois. Enfin, il n'y en a plus. Aucun qui soit disponible chez nous pour l'instant. Voilà. Malheureusement. Alors, donc en septembre dernier, Jeff Bezos a présenté donc une nouvelle gamme de Kindle Fire. Donc on connaissait déjà l'entrée de gamme 7 pouces hein, qui serait potentiellement la concurrente de ce fameux iPad mini. Il a présenté également une version plus grande qui va dans le sens de ce que tu disais, Cédric, par rapport à Google et Asus qui est elle, j'y suis arrivé, équipée d'un écran de 8,96 pouces compatible
4G uniquement aux États-Unis pour l'instant. Donc ça veut dire que eux commencent à monter en gamme. Pourquoi Apple descendre? C'est pas très très logique non plus. Parce que la descente en gamme, c'est là, comme le disait Rodrigo, que le marché a été étendu. C'est-à-dire que ces tablettes d'entrée de gamme convaincantes, parce qu'il y avait des tablettes d'entrée de gamme, mais qui jusque-là étaient quand même pas terribles, disons-le. Ouais. Enfin, il y avait 200 itérations de tablettes taïwanaises avec du vieil Android 2.3, enfin des trucs vraiment pas intéressants. L'échec de Samsung aussi. C'était déjà un chouïa mieux, mais elles étaient plus chères. Mais c'est vrai que même tous les gens, fans d'Apple ou pas d'ailleurs, hein, même utilisateurs d'iPad déjà, à qui moi j'ai mis Nexus 7 dans les mains, sont assez charmés. Le danger, il est là, c'est pas juste la configuration et le prix, c'est que tout à coup, il y a un truc qui est vraiment vachement utilisable, dont le format est intéressant. Et je pense que ça, plus que les fonctionnalités et le prix, dire à Apple qu'on peut améliorer des choses sur le format, ça leur parle. Oui, et puis au-delà, Cédric, moi j'étais étonné quand tu me l'as présenté pour la première fois, elle est tout sauf cheap cette tablette. Et c'est vrai que tu le disais, beaucoup de tablettes d'entrée de gamme n'ont pas fonctionné parce qu'elles n'avaient pas forcément un aspect très quali, une réactivité qu'offre la Nexus. Par contre, c'est vrai qu'elle n'a pas énormément de mémoire, mais je pense que tu l'as dit, ça peut s'arranger. Avant de passer la parole à Monsieur X, parce que lui, dans une autre vie, il a l'expérience des tablettes d'entrée de gamme, il pourra peut-être nous en dire un mot. Toi, en termes d'usage, aujourd'hui, tu as les deux produits, l'iPad 3 et la Nexus. Selon toi, en termes d'usage, est-ce qu'il y a urgence pour qu'Apple sorte un iPad mini ou pas, ou Apple peut continuer tranquillement à dominer le marché? C'est vraiment des machines très différentes. C'est pas comme un téléphone 3 pouces 5 face à un téléphone 4 pouces 5 ou 4 pouces 6. C'est des machines différentes qu'on utilise à des moments différents. C'est-à-dire que je peux avoir vraiment plaisir à utiliser l'iPad pour regarder des photos, pour aller sur le web, etc. etc. Mais pour toutes les utilisations, j'ai même pas envie de dire de base parce que c'est pas si simple que ça, la Nexus c'est vraiment très bien pour aller sur le web, pour des applis, pour tout ça. Il y a des jeux plus basiques, pourtant elle est puissante, j'ai du mal à dire plus basique parce que justement par exemple la puissance graphique est là pour faire des jeux vraiment complexes. Enfin, il y a peu de choses, il y a pas de choses que la Nexus 7 ne sache pas faire. Il y a des choses qui sont des limites qui tiennent juste à la taille de son écran par exemple. Donc je confirme parce que je l'ai aussi depuis 3 semaines, la Nexus 7, et j'avais le iPad 2, pas le new iPad, et c'est la première fois justement sur des voyages comme le voyage à Tokyo où j'ai laissé tomber le iPad qui est lourd dans ma sacoche et tout, et dans mon sac à main, et je me suis baladée que avec la Nexus, et elle a fait tout à fait le boulot pour tout. Ouais, c'est-à-dire qu'elle est plus facilement transportable de par sa taille. Par contre, c'est vrai, elle n'est pas 3G, mais là peut-être ce serait une piste pour Apple pour son téléphone. En Wi-Fi. Elle était connectée au téléphone, j'avais une puce data dans un autre téléphone qui me servait de borne, et qu'elle était connectée, j'avais aucun souci. Hein. Alors moi, à vous écouter Fanny et Cédric, on s'aperçoit que quelque part cette tablette n'est pas une tablette au rabais, que c'est une tablette qui semble redoutable tant en performance qu'en qualité de fabrication, que c'est un vrai rival possible pour l'iPad et que Apple a plutôt intérêt à plus ou moins court terme de réagir, et non pas forcément copier, mais réagir et ne pas laisser un marché s'ouvrir sans qu'il y soit présent. Monsieur X, vous qui par ailleurs avez dans une autre vie lancé des tablettes à bas prix, qu'est-ce qui a fait qu'à l'époque ce marché n'a pas réussi à éclore comme aujourd'hui potentiellement avec la Nexus ou la Kindle Fire? À l'époque, je pense que la qualité n'était pas là. Moi, je me rappelle, je crois, un salon Medpi où on s'est croisé, Olivier, et on avait regardé ensemble des produits de chez Arcos, qui est ce fabricant français et qui vraiment, très rapidement, a essayé de capter un segment d'entrée de gamme avec des produits pas chers. La qualité n'était pas là. C'était il y a 3 ans, c'est ça, à peu près. Donc la réactivité n'était pas là. Juste après le lancement de l'iPad, quoi. Ouais, absolument. Donc il y avait un problème de qualité, pas du produit au niveau matériel, mais de qualité du système d'exploitation. Et à l'époque, Apple avait une avance avec iOS pour iPad qui était absolument astronomique. Hein. Elle ne se le mesurait pas en mois, elle se mesurait peut-être d'un an ou 2 ans. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle ça n'a pas marché à l'époque, qualité et alternative au niveau du système d'exploitation. La deuxième raison pour moi, mais elle est plus classique, c'est la disponibilité des applications. Là, Apple fait encore
le plein avec l'avance qu'il a en termes de nombre d'applications et puis de qualité d'intégration. Hein. Les développeurs, quoi qu'ils en disent aujourd'hui, même si Android reste majoritaire en termes de nombre de devices sur le marché, ils commencent d'abord par développer sur iOS et puis après ils font la version Android. On n'a pas atteint encore le point d'inflexion. Et donc ça fait aussi que ça n'a pas marché. Pour le reste, le prix était là. Et puis les gens se regardaient un petit peu en se disant mais qu'est-ce qu'on va en faire maintenant en termes d'usage. Les gens ont bien compris, même s'ils n'ont pas d'iPad, ce qu'ils veulent en faire, et tu retournes aussi Apple a évangélisé le marché, oui absolument, et tu tournes autour des usages de base. Ça peut être les jeux pour certains, et puis quand tu l'utilises à la maison, qui reste l'usage principal, hein, c'est pas en mobilité l'usage principal, c'est la télé, la radio, quelques jeux, regarder des vidéos sur YouTube, et puis un peu de mail. Et ça, une tablette de 7 pouces à 150€ ou 99$ est absolument capable de le faire aujourd'hui. Donc c'est pour ces raisons-là que ça va prendre, et qu'il y a certainement urgence pour Apple. Parce que l'iPad a des défauts. Il y en a un majeur que Rodrigo nous a rappelé la semaine dernière. Il n'est pas multisession, donc c'est un iPad à 500€ par membre de la famille. Il est un petit peu lourd aussi, et pas forcément tout à fait bien dimensionné pour les enfants. Là, à Noël, imagine-toi, hein, une tablette Android super bien finie à 150€, tu peux te dire j'en achète une pour chacun de mes oui, enfants. Ça règle le problème de la multisession, effectivement. Rodrigo, peut-être une réaction à ce que vient de dire Monsieur X. Bah oui, c'est des produits chers chez Apple, donc tout le monde ne peut pas se permettre d'avoir une tablette entre 500 et 800€. Mmh. Et il y a par défaut un marché pour des tablettes moins chères, même si on aspire tous à avoir des iPads. Mmh. Et je vais encore me faire des copains. Non, mais on sait qu'Apple, Rodrigo, n'a pas forcément vertu à sortir des produits d'entrée de gamme non plus. C'est plutôt sur le moyen et le haut de gamme. C'est pas vrai ça. Apple fait une segmentation assez propre de ses produits. Si tu regardes sur leur site, historiquement, ils remplacent toujours une gamme par une autre. Ouais. Et il y avait dans les prix des Mac différentes entrées. Donc il y avait le Mac Book blanc et noir, puis après les MacBook Pro, et puis les MacBook Pro eux-mêmes segmentés en différentes tailles. Quand tu regardes des iPhones, à chaque présentation depuis quelques années, ils déclinent toute la gamme, en ayant même des téléphones pas chers, hein, 1$ ou gratuits, avec des contrats, et puis hors contrat. Donc ils ont cette logique de segmentation des clients, d'aller chercher différents niveaux de prix. Donc je ne suis pas d'accord avec toi. Oui, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, le ticket d'entrée, par exemple, dans la gamme Apple, c'est... Pour le Macintosh, c'est quand même près de 1000€, hein, pour un portable. On est loin des 300 ou 400€, voire moins, qu'on trouve aujourd'hui dans le monde PC pour des grandes marques, dans les grandes surfaces. Donc on voit que ce qu'ils recherchent plus que le volume, c'est la marque. Est-ce que c'est la marge, c'est freudien. Pareil. Ouais, c'est pareil. Donc voilà, à quoi bon investir un marché, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, et on va en parler dans un petit instant, mais pas tout de suite. Voilà, on va pas trop vite. Lorsqu'on abordera le thème de la positionnement tarifaire de cet iPad mini, à quoi bon se lancer dans un marché si on ne gagne pas d'argent? On sait qu'aujourd'hui Google et Amazon n'en gagnent pas, du moins sur la vente du produit, se rattrapent par ailleurs. Il faut être très précis là-dessus. Si tu regardes la ventilation du chiffre d'affaires d'Apple, c'est historiquement, il y a 30 ans, les ordinateurs, ça représente moins de 20%. Depuis 10 ans, ils ont inventé la musique, l'iPod, ça représente près de 20%, et depuis 5 ans, ils ont inventé le téléphone, et ça représente 50%. Mmh. D'accord ? Donc, ils ont complètement repensé leur source de revenus par rapport à ce qu'ils ont. Donc, c'est normal qu'ils se réinventent tout le temps, moi, je trouve. Ouais, moi, j'ai deux petites questions pour revenir un petit peu sur l'écran, ouais. Parce qu'on en a parlé tout à l'heure. J'ai deux questions. Il y a Yoskis qui demande quelle est la taille d'écran idéale selon vous pour un iPad mini. Il y a quelqu'un d'autre qui demandait si il risquait d'abandonner le 16/9 au profit du 4/3. Et la dernière question aussi, c'était est-ce que ça commence pas à faire compliqué pour les développeurs toutes ces tailles d'écran? Oui, effectivement. Alors, attends, ils vont pas abandonner le 16/9 au profit du 4/3, mais l'inverse. Oui. Jusque là, l'iPad des 4/3, il passerait au 16/9 comme l'iPhone 5. Donc ça exactement. Paraît. Et qui nécessite de redévelopper la résolution des applications, de changer la résolution des applications pour pouvoir l'utiliser. Oui, ça serait un énième chantier, messieurs dames, hein, encore une fois. Mais bon, c'est pas aussi compliqué que le monde Android quand même, Cédric. Où là, il y a une flopée de tailles d'écran.
Ouais, mais alors c'est drôle parce que on l'avait déjà dit une fois, mais l'histoire des tailles d'écran, elles se sont réglées. Le défaut d'Android, c'est qu'il y avait peu d'applications pour tablettes. Mmh. C'est la poule et l'œuf. Hein. Si t'es développeur, t'attends que le parc se développe et le parc des tablettes, il se développait pas ou très lentement et dans des trucs un peu compliqués. Mais pendant ce temps-là, la résolution des téléphones a rattrapé celle des tablettes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la résolution de d'un Galaxy Nexus, par exemple, le téléphone, est la même que la résolution d'un Nexus 7. Donc ce sont les mêmes applications. Donc il n'y a plus de dichotomie entre application téléphone, application tablette. Ton Angry Birds HD, il passe pareil sur ton téléphone et sur ta tablette. Et c'est à ça que sert la gamme Nexus pour Google. Hein. C'est pas à gagner de l'argent sur du hardware, c'est pas ça leur métier, ils le savent bien. C'est d'abord à donner l'exemple par le haut aux constructeurs. C'est-à-dire qu'en gros, si tu es constructeur de tablette aujourd'hui, c'est pas la peine de faire une tablette qui soit moins bien ou plus chère que la Nexus 7 pour les mêmes performances. Mmh. Donc en gros, voilà, c'est Google qui définit le standard de qualité auquel il s'attend en provenance de ses constructeurs partenaires. Alors, sortira pas cette tablette de chez Apple, l'iPad mini. En tout cas, le Wall Street Journal rajoute une couche en disant que l'iPad mini serait d'ores et déjà en production avec une commande monumentale qu'aurait passé Apple auprès de ses fournisseurs de composants pour l'équivalent de près de 10 millions d'unités. C'est phénoménal. Alors, comment expliquer, messieurs, dames, alors que on a vu tout l'été pulluler des images, des vidéos de l'iPhone 5 arriver des semaines à l'avance, que alors que le produit serait en production, on n'a quasiment rien vu. Les seules choses qu'on a vues, c'est quelques photos volées de composants, notamment une vidéo qui est plutôt une vidéo de maquette qui a été réalisée à partir d'un moule en cire dont vous pouvez voir les images. Alors comment expliquer ce fait qu'aujourd'hui Apple ne maîtrise plus sa communication et ne maîtrise plus le secret, et que d'un côté on dit qu'il y a une production monumentale et qu'on ne voit rien arriver? Moi, j'ai du mal à y croire. Quel est votre avis ? Oh, bah c'est parce que de toute façon, les modèles finis, ils ne sortent de l'usine qu'au dernier moment pour être livrés. Oui, mais l'iPhone 5, c'était le cas aussi, Cédric. Oui, mais c'est-à-dire que tu vois sortir le design extérieur de l'appareil bien avant de pouvoir mettre la main sur un exemplaire qui fonctionne, parce qu'encore une fois, l'enjeu c'est pour les fabricants d'accessoires de connaître le format des pochettes, des machins, des trucs qu'ils vont devoir faire autour de l'appareil. Peut-être que finalement, ils essayent ils maîtrisent encore leur com et ils laissent. J'ai du mal à y croire sur de tels volumes, Fanny, quand même. Bah, jamais de la vie. ils ont rien. Non, mais non. C'est tellement pas dans l'ADN de faire fuiter quoi que ce soit, parce que ça dévalue ce qui va se passer après. Regarde ce qui s'est passé sur l'iPhone 5, où forcément, ouais, on était tellement peu surpris par rapport à ce qu'on savait déjà qu'on a tous dit ah bah ouais, alors on est finalement déçus parce qu'il n'y avait rien de nouveau par rapport à la rumeur. Ça, c'est des choses que Apple a probablement envie de s'éviter, donc faire fuiter des choses, non, ça leur ressemble pas. D'autant qu'ils ont des iPods, par exemple, à vendre la semaine prochaine. Bah oui. Si tu te dis, ah ouais, tiens, finalement, dans 3 semaines, il y a un nouvel iPad. Il va être obsolète. C'est une révolution, ça. L'iPod, le nouvel iPod Touch, il me plaisait bien. Je vais peut-être attendre un peu, parce qu'entre ça et une petite tablette, c'est compliqué comme arbitrage. C'est pour ça que moi, je pense que l'iPad mini est un produit qui n'existe pas, en tous les cas, qui va pas sortir dans les semaines qui viennent. Ah, hein. Voilà quelqu'un qui se met, qui est courageux. Ouais. Ouais. Maintenant, ils ont dit, ça y est, ils ont commandé assez de composants pour en faire 10 millions. Bah ouais, qui a dit ça? C'est Wall Street Journal. Je pense que la place qui est réservée dans les étagères et dont chez peut-être certains revendeurs et dont parle Fanny, c'est pour les iPod et l'iPod Touch qui arrivent, et que la stratégie petite tablette, c'est iPod Touch, point barre. Ça correspondrait assez bien au côté un peu têtu d'Apple, qui est de dire les tablettes, c'est 10 pouces. Le marché 7 pouces des tablettes existe, mais il n'y a pas de marge à faire dessus. Donc nous, on n'y va pas. Probable. On n'y va pas. Et on a pour les gens qui veulent un écran plus petit et moins cher, l'iPod Touch, dont je vous rappelle que le design a été vraiment refait par rapport à la génération précédente, qui certes est cher, mais correspond aux usages qu'on vient d'évoquer avant, les jeux, la télé d'appoint, la radio d'appoint, accéder à Internet, accéder à YouTube, accéder même à Google Maps, soyons fous. Donc leur stratégie, à mon avis, elle est là. C'est une stratégie têtue parce que l'iPod Touch n'a pas la taille de l'écran d'un Nexus 7, par exemple. Quand on a pris en main un Nexus 7, retourné sur l'iPod Touch,
c'est un peu chiant. Et puis l'écart de prix était énorme. Ça fait un peu de la peine, oui. Ouais, mais rappelez-vous, hein, Steve Jobs avait dit « Je ne ferai pas d'ordinateur à moins de 500 $ parce qu'à moins de 500 $, on ne fait que de la merde. » Il avait été aussi sévère que ça. Pas vrai pour le Nexus 7. Je pense que c'est toujours ce qui pilote Apple et que pour les tablettes, ils estiment qu'à moins de 500 $, on ne peut pas faire un truc correct. Donc la stratégie, avec une marge confortable, monsieur. Avec la marge d'Apple. C'est-à-dire 50% dès le départ ou 60%. Alors que Google, lui, prêt à s'asseoir sous sa marge. Parce que c'est pas leur métier, c'est pas leur cœur. Et tu parlais de Mr. Bezos, le patron d'Amazon. Les comptes d'Amazon montrent qu'ils ne font pas de marge sur la vente des Kindle et qu'ils vont se rattraper sur le magasin. Non, Apple. Voilà, en vendant. Oui, bien sûr. Apple fera toujours, au moins au lancement, 60% de marge sur ses produits. Donc moi, l'iPad Mini, c'est un produit qui n'existe pas. On retourne en plein dans Apple et les rumeurs fantasmées, je m'avance un peu beaucoup, et quelque part ça me fait plaisir. Alors voilà, on arrête l'émission là parce qu'on n'a plus rien à dire, du coup, formidable. Voilà. Non, je crois que c'est clair, l'iPad mini sortira en même temps que la télé d'Apple. Ouais, non, la télé d'Apple. Car l'iPad mini sera la télécommande de la télé d'Apple. Parce que c'est une révolution. Alors, essayons quand même de lister ensemble, et on va revenir sur le positionnement tarifaire, c'est intéressant, monsieur X, mais on va terminer là-dessus, sur le positionnement tarifaire. Oui, parce que les auditeurs, ils veulent savoir quel prix. Mais on va y arriver. Mais un petit mot quand même, parce qu'on pas dressé ce portrait robot de cet iPad mini que vous voyez en image. Ce qu'on peut voir effectivement, c'est qu'il aurait un écran de 7,80 pouces et des poussières. Hein. Je retrouve pas mes notes, mais c'est pas grave. Particularité, toujours selon cette maquette, il aura les bords sur le côté beaucoup plus étroits que la version actuelle. Bon, ça semble assez crédible sur le papier avec, entre autres, alors la vraie question, ce qui fait débat aujourd'hui, voilà, sur Internet, c'est est-ce qu'il y aura, oui ou non, de la 3G ? Est-ce que pour un produit entrée de gamme ou un produit comme celui-ci, la 3G a son sens en classe, que c'est un produit mobile où il est destiné comme l'iPad 2 ou l'iPad 3 à plutôt rester dans le salon à la maison. Ben moi j'ai vu un papier qui disait qu'il serait d'abord que Wi-Fi et qu'il y aurait potentiellement de la 4G du Royaume-Uni intégrée. C'est assez compliqué, ouais, parce que les rumeurs ça va dans tous les sens, moi j'ai jamais vu ça. Mais là où ça a un sens de dire ça, d'avoir pas avoir la 3G que de la 4G, c'est qu'il y a des licences à payer à chaque fois, des royalties pour l'utilisation d'un certain truc. D'accord. Donc ça baisserait peut-être le BOM, hein, le Bill of Materials, le coût à payer dessus. Et le prix, ce qu'on lit, c'est que le Nexus et le Kindle Fire sont à $200. On parlera du prix plus tard, Rodrigo. Ah bon. Voilà. D'accord, non, pas trop. Il faut en parler un moment, là. Ouais, on termine aller, sur... Là. On continue. Ouais, il nous reste encore un petit quart d'heure. Donc non, mais on ne peut pas parler des fonctionnalités. Non, mais... Allez, vas-y. Oui. Et on termine par le prix. Alors, une des caractéristiques, tu le disais, Cédric, importante pour une tablette, c'est sa capacité mémoire. On sait que Google et Amazon a réussi à casser les prix, on va en parler. Notamment, là, on trouve la Kindle Fire à $150 ou 150 € aujourd'hui, c'est vraiment pas cher. Mais elle ne fait que 8 gigas. Là, apparemment, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec un iPad de 8 gigas ? Pas grand-chose, hein ? Ah tu t'aperçois en fait que l'essentiel de ce que tu utilises est stocké dans le cloud, quoi. Donc finalement la capacité mémoire, elle a pas de, à part pour stocker de la musique, mais est-ce que c'est une machine pour faire de la musique, à part pour stocker de la vidéo, là ok, c'est vrai que ça peut être assez ennuyeux. 8 gigas, ça peut limiter le nombre de jeux, de gros jeux que tu vas installer, ok, c'est, je le dis avec d'autant plus de liberté que c'est exactement mon problème sur la Nexus 7. Ouais. Est-ce que c'est là-dessus que tu tires ? Moi, à mon sens, c'est pas ça. On est en train d'avoir un débat à rebours par rapport à ce qu'Apple pourrait faire. Si Apple sort une petite tablette, c'est pas forcément pour faire une tablette pas chère. C'est pour faire une tablette dont le format soit différent. Maintenant, comment faire pour arriver quand on est Apple, à sortir une tablette sans se battre comme un chiffonnier sur le prix ? Eh ben, il faut qu'elle fasse des choses nouvelles par rapport à l'iPad existant. C'est-à-dire, par exemple, vu qu'en plus on va en changer a priori le format, ce serait l'occasion de passer au 16/9, ça permet de faire un design, soit qu'il soit un design hérité de l'iPhone 5 et du nouvel iPod Touch, pourquoi pas. Ça veut dire une sorte d'unification du design de toute la gamme chez Apple, c'est pas con. Soit un format vraiment différent. Je les vois pas aller se battre, ou alors c'est un changement de philosophie, mais pourquoi pas, après tout, il y a que les imbéciles qui changent jamais d'avis. Hein. Mais quand même, chez Apple, le côté, il a raison, monsieur X, hein, comment on fait un produit qui fait 60% de marge à la sortie, ça plaide pas pour une exploration de l'entrée de gamme, quoi. Donc ça veut dire du Retina ou pas du Retina, ça veut dire une petite tablette mais haut de gamme.
Ouais. Il y aurait... faut jamais oublier que pendant très longtemps, quand on miniaturisait une machine, elle coûtait plus cher qu'avant. Souvenez-vous de nos PC Sony, quand ils étaient tout petits, magnifiques, etc., super. Ah ouais, mais ils coûtaient une blinde. Et tout à coup, le clincher, c'est le jour de l'arrivée des netbooks. Souvenez-vous des netbooks. Ah. Tout à coup, on avait une machine plus petite qui fonctionnait encore pour 300 euros. Ouais. Voilà. Mais au-delà de ce que tu dis... Steve a dit qu'il ne ferait jamais de netbook. Alors, il a fait un MacBook Air 11 pouces, mais ça n'a rien à voir. Monsieur X, on sait que chez Apple, il y a une chose très importante, en tout cas, c'est garder une certaine rationalité de la gamme. Une gamme assez resserrée, qui n'est pas une foule de produits, c'est la première chose qu'a fait Steve Jobs et Tim Cook lorsqu'ils sont arrivés au sein d'Apple. Essayer de limiter le nombre de produits. Là, si un iPad mini sort, trois formats de mémoire possibles, 16, 32, 64, 3G, Wi-Fi... est-ce que ça risque pas de compliquer un peu plus la gamme d'Apple, qui est quand même de plus en plus, on est loin de ce que disait Tim Cook, à savoir son précepte, il faut que la gamme Apple tienne sur une table, si possible, d'un Apple Store. Oui, alors ce principe-là de la simplicité de la gamme, c'est pas un principe de Tim, hein, une fois de plus, c'est un principe de Steve, qui quand il est revenu aux commandes à la fin des années 90, a divisé le portefeuille de références produits chez Apple par 4, hein, si ma mémoire est bonne. Ouais, il y avait des imprimantes, il y avait des appareils photo numériques, il y avait les Newton, souvenez-vous, il y en avait, il y avait des écrans à n'en plus finir. Ouais, et là, il y a une double motivation derrière cette simplification à l'extrême de la gamme produit, où il y en a une triple. Hein. Bon, il y a de la sagesse populaire qui est, de toute façon, on ne peut pas tout faire, ça c'est la première chose. Il y a une deuxième chose qui est une règle de gestion d'entreprise, et ça tous les gens qui travaillent dans des grosses boîtes comprendront ce que je dis. L'organisation est toujours à l'image de la gamme produit ou de la gamme de services. Plus il y en a, plus c'est complexe, parce que à partir du moment où il y a beaucoup de produits ou beaucoup de services, il faut des fonctions transverses pour synchroniser les gens, les activités. Tu peux prendre des produits et des services grand public, les vendre dans le pro, des produits pro, les vendre dans le produit grand public. Donc en gros, beaucoup de produits, beaucoup de services, c'est beaucoup de complexité dans l'entreprise. Et ça, Steve n'en voulait pas. Et puis la troisième chose, Steve, en termes d'innovation, sans mettre tous ses œufs dans le même panier, voulait être vraiment très focalisé sur ce qu'il estimait être les marchés à potentiel. Donc, il y a toujours eu de la simplicité à l'extrême dans la gamme produit. L'iPad mini prêcherait pas pour ça. Effectivement, ça complexifierait un petit peu, mais enfin, pas à un point pour que ça soit un argument pour ne pas le sortir. Je pense que d'un point de vue marketing produit, la difficulté, ce ne serait pas une complexité de la gamme, ça serait plutôt... Mais alors, mais pourquoi vous avez sorti un iPod Touch il y a 6 semaines? Parce que d'accord. Là, on ne comprend plus. Donc, ça serait plutôt un catapultage de 2 produits et une difficulté à expliquer en fonction des revendeurs et des marchés. Est-ce que je choisis l'iPad mini ou est-ce que je choisis l'iPod Touch? Or, il n'y a pas on va dire de disponibilité de prix pour un iPad mini. Je crois que l'iPod Touch haut de gamme, c'est dans les 350 euros. L'iPad V3, c'est dans les 500 euros. Au milieu, ça fait pas beaucoup d'espace, 550 euros, pour mettre des iPad mini. Donc, c'est surtout là que ça serait le problème, et il viendrait se cannibaliser. Alors, sortira pas cet iPad mini, en tout cas, une chose est sûre, c'est que ça a inspiré notre caricaturiste de talent, à savoir Steph Cartoon. Voilà l'image de cette semaine. L'iPad mini, c'est pour lire les livres de poche, ou c'est pour, et j'ai perdu l'image, et c'est pour, c'est juste l'iPad adapté aux capacités visionnaires de Tim Cook. Ouais, bah en tout cas, en hommage à Steve Jobs, avec tous mes respects, Steph Cartoon. Alors, la vraie question, et c'est vrai que c'est sous-jacent depuis le début de cette émission, c'est où positionner cet iPad dans la grille tarifaire, dans la gamme d'Apple aujourd'hui, dès le direct qu'on a fait ensemble. Souvenez-vous, lors du lancement de l'iPhone 5 et des nouveaux iPods, on ne savait pas trop où le positionner. Pour s'en rendre compte de la difficulté à positionner ce futur iPad mini s'il sort au sein de la gamme d'Apple, regardez cette petite illustration qu'on a réalisée pour vous. Vous avez d'abord l'iPod Touch qui commence à 219 euros. Ça, c'est l'iPod d'ancienne génération à 8 Go. Vous avez ensuite à 329 euros l'iPod 4 pouces, l'iPod Touch 4 pouces à 329 euros. Et à 439 euros, la version 64 Go. Entre temps, vous avez un Kindle Fire HD à 199 euros. Un Nexus 7 en 32 giga, en 16 Go, et un Nexus 7 à 199 euros. Où positionner cet iPad? Apparemment, ils ne pourront pas le vendre moins cher qu'un iPod Touch. Alors, peut-être du côté des iPads. Alors, l'iPad, lui, commence à 409 euros. C'est l'iPad 2.
L'iPad 2, ensuite l'iPad 3 commence à 489 € en version 16 Go, 589 en version 32 et 694 en version 64 Go. Bref, moi je sais pas où placer le curseur, monsieur X. Peut-être tout simplement s'il sortait un iPad mini, il faudrait qu'il prenne la place de l'iPad 2. Ah oui, clairement, ouais. Voilà, ça serait une bonne idée de le mettre là. Ça réglerait quand même pas tout à fait la compétitivité en termes de prix avec les produits de chez Google ou de chez Amazon. 199 € Kindle Fire le 16 Go, 199 le Nexus 7, on est près de, bah on est à 100 € de, je dis 100 €, 200 € de plus puisque le Kindle, l'iPad 2 est facturé près de 409 € en France. Deuxième possibilité, au moment où ils sortent cet hypothétique iPad mini, ils cassent le prix de l'iPod Touch un mois après l'avoir introduit. Là, on est dans la science-fiction. Quatrième dimension. Non, mais là, on est bien dans on matérialise mieux ce que disait tout à l'heure Rodrigo, à savoir qu'Apple a besoin de faire de la marge. Ils sortiront jamais un produit autour des 200-300 € du côté des Amazon, des Kindle Fire et autres Google Nexus 7. Ils vont plutôt se positionner vers un produit à valeur ajoutée un peu plus cher. Mais c'est vrai qu'on a du mal à positionner le curseur par rapport à l'iPod Touch. Et l'iPod Touch n'est pas encore disponible quand on se demande s'il a encore de la place là-dedans, quoi. Ça paraît. Ouais, bon, enfin, si c'est un produit à 250, ça fait juste 20% de marge en plus, hein. Oui, mais comment, si tu veux vendre un produit à 250 € en 16 gigas, alors que pour 329 €, tu as un iPod Touch 32 gigas avec un écran plus petit. C'est absolument pas cohérent. Olivier, arrête d'engueuler Apple. Pour l'instant, ils ne l'ont pas sorti, ce produit. Mais non, j'ai engueulé Rodrigo. Mais vous êtes des crétins. On dirait que tu es en briefing à Cupertino. Passez-moi, Tim Cook. D'abord, tu ne vas pas au briefing à Cupertino et tu ne serais pas posé des questions. Malheureusement. On dirait Bill Gates, c'est quand il disait à ses troupes « That's the stupidest thing I've ever heard ». C'est ça. En effet, oui, c'est vrai que ce n'est pas facile à défendre. Ouais. Ça expliquerait aussi pourquoi... Apple, s'il nous présentait dans deux semaines par exemple un nouvel iPad mini, ait pris son temps pour présenter bien avant les nouveaux iPods et pas les présenter en même temps. Parce que là, tout à coup, on aurait zappé les iPods direct. Oui, on dirait, bon, oui, vous comptez vraiment en vendre. Mais oui, parce qu'à la limite, avec ton iPod, tu peux, je sais pas, aller courir dans la forêt. Tu vas pas aller courir dans la forêt avec ton iPad mini, on va pas se mentir. Oui, je sais pas ce que c'est le sweet spot. Est-ce que c'est 2,99 ? Est-ce que c'est. Mais de fait, je vois pas comment ça ne remplace pas l'iPad 2. Et c'est intéressant parce que ça, c'est des trucs. Nous, on a des espèces de réflexes de geek sur. Ouais, le Retina, c'est génial, etc. Au moment après. Au moment après la sortie du nouvel iPad, quand il a fallu que j'en trouve un autre pour ma compagne, j'ai mis pas le marché dans les mains, mais je lui ai dit voilà, tiens, il est bien celui-là. Et elle a dit il est lourd, il est un peu épais. Oui, mais regarde l'écran. L'écran, whatever, celui de l'iPad 2 était très bien. Donc voilà. Et donc, on lui a pris un iPad 2. Faire des économies, c'est tout. Arrête. Quand t'es à 400, t'es pas 400 plus le machin, plus la taxe, plus la pochette, plus la couverture rose. Enfin, tu vois, t'es plus à ça près. Moi, je vais aller travailler chez LCI. Hein. Ouais. Pourquoi ? Non, mais il faut lui dire que les journalistes, ça gagne beaucoup moins d'argent que les investisseurs et les entrepreneurs. Faut lui dire. C'est surtout la cover. Et les podcasteurs. J'en parle même pas. Les podcasters, on tombe dans l'humanitaire. Là. Ah oui, carrément, c'est du bénévolat. C'est envoyer vos dons. Hein. Ouais, on devrait aller en réunion avec Bill Gates, Bono et François Hollande. mais voilà, cet iPad mini putatif, il arrive pour occuper cette place-là, pour occuper la place de tablette pour les gens qui ne veulent pas du nouvel iPad. Sachant qu'Apple a limité la mémoire de l'iPad 2 délibérément en 16 Go, on ne peut plus l'acheter en 32 et en 64 pour valoriser l'iPad 3. Est-ce qu'on pourrait pas voir là, monsieur X, une piste également pour peut-être bien séparer l'iPod Touch et préserver l'iPod Touch par rapport à l'arrivée d'un iPad mini ? En clair, l'iPad mini peut-être serait limité en capacité mémoire, aurait un écran plus grand mais une capacité mémoire inférieure, alors que l'iPod Touch est disponible, lui, en 32 et en 64 Go. Est-ce que c'est une piste envisageable ? Alors là, écoute, avoir un iPad mini qui n'a pas la capacité mémoire en option
de celle du haut de gamme de l'iPod Touch. Alors là, j'aimerais pas faire le brief produit aux journalistes, hein, si tu veux. Et en plus... fait pire, monsieur X. Hein. Tu as fait pire. Oui, j'ai fait pire. Tu sais, ils sont très bons en brief produit. Hein. Je tiens à rappeler que monsieur X a réussi quand même à vendre un baladeur MP3 à l'iPod Shuffle en me disant mais regardez, cher journaliste, il est mieux qu'un baladeur classique parce qu'il n'a pas d'écran. Ah bah voyons. C'est une logique implacable. Extraordinaire. Ah ouais, forcément, on n'a pas regardé les fonctions. Ça se fait en aveugle. Bah ouais, c'est mieux. Non, tu sais, monsieur, message à monsieur X, depuis que tu travailles plus chez Apple, ils se sont quand même largement améliorés en brief produit. Ouais. Au moment de la sortie du nouvel iPad. Non mais au moment de la sortie du nouvel iPad, quand il y a les chefs de produits qui sont là pour te faire la démo après la keynote, etc. Moi, j'avais une seule question. J'avais dit, mais excusez-moi, mais il pèse combien exactement? Non, son épaisseur exacte, c'est combien? Et le type m'a regardé, il me dit « We have not released that information ». Ah oui, quand même. Alors qu'en gros, il veut que suffit d'un double décimètre pour... Voilà. Pour finir là-dessus, Olivier, en plus, la capacité limitée, ça ne va pas dans le sens de l'histoire. Bon, alors tu peux imaginer qu'un iPad mini, c'est un iPad pour la maison, et puis que tu l'utilises, comme je le disais, que pour faire radio, et puis pour faire télé, et puis pour lire YouTube, c'est-à-dire lire des flux. Et à ce moment-là, tu n'as pas besoin de beaucoup de capacité. Et pour les enfants, s'il n'est pas cher, il y a vraiment un usage. Mais une fois de plus, tu n'es pas compétitif avec le Google Nexus 7. Ce qui va dans le sens de l'histoire, c'est quand même de les trimballer de temps en temps. Et là, de plus en plus, on est tous à mettre des photos HD, des films HD. Un film en HD, ça commence à 2,5 gigas. Donc si tu veux en mettre 10, là, pour occuper tes gamins dans la voiture ou dans l'avion, sortir un iPad mini qui n'a que 16 gigas, tu vois, moi je te rappelle quand même que mon iPad de rêve, c'est un iPad avec 128 gigas. Donc ce truc-là, un iPad mini en capacité limitée, j'y crois pas. Pourquoi tu n'as pas le disque? Pourquoi tu n'as pas le disque dur Seagate qui se plug à, enfin, qui se connecte en Wi-Fi à 5 iPads? Ouais, mais c'est quand même sais, parce que je suis 500 gigas que tu partages. Oui, mais c'est quand même un investissement. C'est quand même parce que j'ai pas fait le saut. C'est la hauteur d'un iPad mini. En 1983 ou 4, ouais. Moi j'avais acheté un PC XT compatible. Oh mon dieu, déjà, tu te souviens un PC XT toi? Qui tournait 83-84, j'avais un Mac moi déjà, monsieur. Qui tournait à 4,77 MHz et qui avait 256 kilooctets de mémoire. Sur lequel on avait investi énormément, on avait acheté une carte qui s'appelait une carte MFC, Multifunction Card. Oui. Qui rajoutait un port série, un port parallèle, oui, mais encore, et 384 kilooctets supplémentaires pour arriver à 640. De mémoire étendue. Tu avais du mal avec les filles à l'époque, non? Je te la présenterai et tu vas rigoler, elle était corse déjà. Non, c'est pas le droit de toucher aux corses. Ah, elle était corse quand j'avais cet ordinateur-là il y a très longtemps. Et j'ai oublié de vous dire, il n'y avait pas encore de mémoire de masse. Le disque de 30... 30 mégaoctets est arrivé l'année d'après qu'on a rajouté. Bon. Monsieur X, lui, s'est mouillé, il pense que le scénario est peu envisageable de l'arrivée d'un iPad mini. On aura peut-être un début de réponse au moment où vous lirez, où vous regarderez ce podcast. Mais, allez, les autres, mouillez-vous un petit peu. À plus ou moins long terme, c'est quand même un peu plus envisageable, Cédric. Ils sont forcés de décliner un peu la gamme. Je vois pas comment ils feraient autrement. Parce que cet iPad-là est formidable, mais il n'est pas suffisant. Simplement, le rythme d'Apple n'est pas forcément le rythme des sites de rumeurs et des analystes. Ils peuvent simplement estimer qu'il n'y a pas d'argent à gagner à faire une machine plus petite. Mais le sens de l'histoire, c'est quand même... ou alors, il faut qu'ils arrivent à présenter l'iPod Touch comme un pis-aller, mais c'est un peu compliqué, quoi. Fanny, ton avis vite fait? Bah, à mon avis, vite fait, c'est pas est-ce qu'ils vont le sortir ou pas. C'est moi, j'en veux un. C'est un format qui nous manque. Voilà. Le iPad tel qu'il est, il est trop grand. Allez, Rodrigo, on se mouille. Est-ce que j'en veux un? Ouais. Écoute, je reviens à ce que j'ai dit la semaine dernière. Il y a deux choses qui manquent. C'est la version multi-user. Sur un iPad mini, je ne suis pas sûr de le vouloir. Et un outil pour mieux gérer la distribution de mes apps sur différents devices iOS. Ça, je veux absolument. Pourquoi j'utiliserais un iPad mini? Clairement pour les flux audio, je n'ai pas besoin d'avoir un gros truc tu vois, pour écouter Spotify ou des trucs comme ça, et pour lire des bouquins de poche. En effet, ce n'est pas lisible sur un iPod Touch, pas du tout. C'est très bien sur un iPad. Parfois, ce n'est pas pratique l'iPad, donc peut-être comme le Kindle Fire, je m'en servirais tu vois, pour lire des bouquins.
Mais c'est mal foutu aujourd'hui, la gestion de tes différents devices, t'es obligé de synchroniser tout sur toutes tes machines, c'est pas simple. S'ils nous sortent un truc pour mieux gérer ce que tu mets sur les différentes tailles d'écran, on serait beaucoup mieux. Et même la gestion, tu vois, aujourd'hui d'iPhone, iPad n'est pas claire, quoi. Le petit plus que tu as sur iTunes Store, c'est pas très clair, c'est mal organisé, enfin voilà. Donc est-ce que j'en achèterais un comme ça? Non, j'ai pas le besoin immédiat. Tu vois, j'ai même pas d'iPhone 5, pour te dire. Bon, on a les tensions dures du côté de Rodrigo. Bon, allez, on va se débrouiller. Avant de passer à la nouvelle rubrique dans Refait le Mac, à savoir les bons plans dans Refait le Mac, est-ce qu'on aurait une dernière question Twitter pour conclure ce soir, Fanny? Oui, c'est est-ce que l'iPad mini pourrait pâtir du conflit avec Samsung et d'une éventuelle difficulté d'approvisionnement en composants, du coup, s'il venait à sortir? Pas plus que les appareils précédents d'Apple. C'est iPhone, pas parce qu'Apple est en procès avec Samsung que Samsung, que la division composants de Samsung arrête d'alimenter Apple en composants. Son meilleur client. Son meilleur client, ils savent très bien de quel côté leur tartine est beurrée et la séparation de l'Église et de l'État, elle existe en tout cas chez Samsung. Oui, mais enfin, en plus, Samsung, c'est un chaebol, hein, c'est un gros conglomérat avec des milliards de divisions. C'est comme si tu disais, tu bosses avec GE, tu bosses pas avec GE, alors que GE, c'est 5000 boîtes. Samsung, c'est 81 sociétés, hein, donc c'est. Voilà. Et chacune doit être juste immense PME, quoi. Ah oui, c'est des très très grosses PME, des banques, ils font aussi des navires de guerre, enfin voilà, ils font moult choses. Et le seul truc qui passe pas, c'est des voitures, tiens, c'est bizarre. Samsung, tu parles, si, ils font des voitures, mais ils ont vendu leur division à Samsung Motors, bien sûr. Ils ont vendu la division à Renault, c'est là-bas qu'on construit l'Affluence, notamment la petite voiture électrique de chez Renault, que vous trouvez en France, elle est fabriquée en Corée. Tu me l'apprends. Ah bah oui, c'est mon ami Alexandre Lenoir, qui est un grand spécialiste de la voiture, qui m'a expliqué ça. Allez, messieurs, dames, on vous a expliqué dans le sommaire qu'il y avait une nouvelle rubrique dans Refait le Mac qui s'appelle Les bons plans avec notre partenaire Macway. Chaque semaine, on vous propose, vous qui regardez Refait le Mac, de faire des économies grâce à une réduction exclusive aux personnes qui regardent Refait le Mac. Et bah tout de suite, on regarde la promo de la semaine. Le bon plan de Macway, rien que pour vous qui regardez au Refait le Mac, est un disque dur Storeva Alu-Ice Mini Turbo. Il dispose de deux connecteurs FireWire 800 et d'un port USB 3. Sa capacité est d'un Tera et son mini boîtier est tout en aluminium. Son prix, 139€ au lieu de 169 en saisissant le code ORLM sur macway.com. En voilà une belle affaire, en tout cas il y en aura d'autres puisque chaque semaine vous retrouvez donc les bons plans dans Refait le Mac avec Macway. On va passer au coup de cœur. Donc les coups de cœur ce soir, on va commencer tout de suite très fort je suis sûr par Cédric Ingrand. Mon coup de cœur c'est une société française, monsieur, une jeune start-up que j'ai vue mais qui s'exporte déjà parce que je les ai rencontrés à San Francisco, ça s'appelle Tactilize. C'est une appli au modèle, enfin l'idée est géniale et le modèle est intéressant. L'idée c'est de vous permettre de créer du contenu à très forte valeur ajoutée sur iPad, justement sur tablette, un peu comme il y avait, tu vois, au début des générateurs de pages HTML, puis des générateurs de blogs, puis WordPress, puis le reste. Bah là c'est un truc qui va te permettre de faire des jolies pages avec de la vidéo, de la photo resoomable, tournable, cliquable, avec des liens, etc. Bref, faire du contenu qui tire vraiment parti de ce que sait faire ta tablette, enfin en tout cas ton iPad aujourd'hui, même si pour l'instant le contenu il faut le créer sur un PC ou un Mac. Mais bon, personne n'est parfait, ça va s'arranger. Ce qui est vachement intéressant, c'est que si tu es par exemple un artiste, un photographe, que tu vas utiliser ça pour faire des jolis trucs, pour explorer toutes tes photos, bah ça va te produire une app que tu vas pouvoir mettre sur l'App Store. Mais sans avoir de notion de développement, de programmation. Voilà, et ça peut servir aussi au restaurateur du coin pour faire son menu ou à des PME pour faire des plaquettes commerciales. Moi, je trouve ça, c'est vachement bien, c'est remarquablement réalisé et chez français, monsieur. Ah, formidable. Fanny, quel est ton coup de cœur ce soir? Alors moi, c'est un coup de cœur du CITEC parce que je suis quand même retournée traîner mes guêtres, un peu dépitée, et j'ai fini par trouver quelque chose. D'ailleurs, c'est Cédric. Il faut rappeler ce que c'est. Hein, CITEC, c'est le salon où nous étions la semaine dernière au Japon pour découvrir les nouveautés high-tech asiatiques. C'est le CIS asiatique, en gros. C'est le CIS japonais, ouais. Voilà. Et donc, j'ai croisé Cédric qui m'a indiqué un stand vachement bien sur un sujet qui me tient à cœur. Mais c'est lui qui accueille la presse là-bas. Voilà, exactement. Non, mais on se croise beaucoup. C'est pas. Il fait hôtesse à ses heures perdues.
Et donc, j'ai découvert qu'il y avait enfin une norme définie par le Wireless Power Consortium pour la, par la charge d'induction, que donc Nokia en fait partie avec son Lumia 920. Mais c'est surtout que j'ai découvert des tas de bases et de mobilier avec des charges intégrées. Donc bientôt, je sais que je vais pouvoir avoir une tablette près de mon lit pour recharger mon téléphone. Que quand j'irai à l'hôtel, on va m'en mettre, que quand j'irai au restaurant, il y en aura sur ma table et que je pourrai recharger mon téléphone comme ça. Et que donc, j'espère que le iPhone 6 sera à charge à induction. Voilà. Ça fait, monsieur X, ça fait des années qu'il espère, mais il ne désespère pas. Non, mais là, on y arrive, on y arrive. Merci. Non, mais il s'est passé plein de trucs de ce côté-là. Avant, la charge sans fil n'était pas efficace. Ouais. En gros, 50% d'électricité que tu faisais partir dans la borne, bah, il n'arrivait pas dans ton appareil, dans ton téléphone. Aujourd'hui, on est à 80% d'efficacité, donc ça y est, ça marche. Et de fait, du coup, l'enjeu, c'est d'arriver, un, à en mettre partout, et deux, à l'intégrer dans le plus d'appareils possible. Sur quoi l'harmoniser autour d'un standard. Exactement, ça marche mieux quand il y a du NFC, mais je vous expliquerai pourquoi un jour. Un jour, quand tu veux. Monsieur X, ton coup de cœur ce soir. Alors moi, c'est un coup de cœur et un coup de gueule pour remettre au goût du jour cette belle tradition. Je commence par mon coup de gueule. Mon coup de gueule, c'est, je sais pas, il est quelque part entre Canal+ et Apple. Voilà, je fais partie des abonnés de Canal+, qui sont globalement contents. Et puis j'ai souscrit à une petite option qui s'appelle Live TV Premium il y a quelques mois. Et avec 5€ de plus par mois, j'ai le droit à Canal+, toutes les chaînes de mon bouquet sur mon Mac. Ça marche parfaitement bien, avec une qualité HD géniale, sur l'iPad, et pourquoi pas sur l'iPad mini, et sur mon iPhone. Alors sur le Mac, c'est génial, ça utilise une technologie qui a été mise au point par Microsoft pour les Jeux Olympiques de Pékin, qui s'appelle Silverlight, pour broadcaster la vidéo. C'est absolument génial, qualité top, on a même de l'interactivité pour un débit Wi-Fi chez moi, qui est juste normal. Par contre, sur l'iPhone et sur l'iPad, ça marche quasiment jamais, et quand il y a des émissions populaires type... Par exemple, le classico PSG-OM le dimanche soir, impossible de se connecter. Moi, mon analyse du truc, c'est que quand Canal+ fait ses applications pour iPad et puis pour iOS, ils ne peuvent pas utiliser Silverlight, parce que Silverlight, technologie Microsoft, pas supportée dans iOS. Donc, ils utilisent QuickTime Broadcaster. Et QuickTime Broadcaster, pour diffuser de la vidéo live sur la plateforme iOS, bah, c'est juste... tout pourri. Donc parlez-vous. Ah, d'accord. Parlez-vous entre Canal+ et entre Canal+ et Apple, parce que cette techno n'est pas au point. Et en tous les cas, Canal+ démontre qu'ils sont capables de le faire extrêmement bien avec Microsoft. Donc je suis quand même super déçu que ça marche pas sur mon iPad et mon iPod. Ça me fait presque regretter les 5€ que je paye par mois. Mon coup de cœur, c'est une petite application iPhone qui sert à rien, donc elle est indispensable. Et qui m'a été signalé par un de mes collègues qui s'appelle Edouard. Merci Edouard. Et qui s'appelle Manga Camera. Qu'est-ce que ça fait ? Bah, c'est tout bête, mais moi, ça me fait marrer, bien évidemment. Vous prenez une photo avec, et puis bah, ça postérise votre photo, comme si c'était une bulle de manga dessinée par un mangaka. Voilà, donc vous pouvez vous prendre votre visage, je viens de le publier sur Instagram, à peu près n'importe quoi, et ça le transforme en bulle de manga. C'est très très drôle, ça va vous faire la semaine, et c'est gratuit. Merci Monsieur X. Rodrigo, ton coup de cœur, tes coups de cœur ce soir. Oh, bah, j'ai un pot pourri de coups de cœur aujourd'hui, j'ai pas fait vraiment de thématique. On va commencer par une application qui est absolument indispensable. En anglais, ça s'appelle What a Stupid Pigeon. En français, ça s'appelle Qui les cons, ce pigeon. Ça me rappelle quelque chose. Ils se reconnaîtront. Les jonpies qui me polluent ma timeline dans tous les sens. Si la cause est probablement juste et bonne, elle est mal posée, la manière de faire est très nulle. Donc, pour vous défouler, allez jouer à Qui les cons, ce pigeon. C'est en gros comme Paf le chien. Donner des coups de pied au pigeon pour qu'il aille le plus loin possible. Ça s'appelle une provocation, mais continue, Rodrigo. Mais pas du tout, Jean-Yann Allier sort de ce corps. Le deuxième, c'est que je suis abonné, mais je sais pas pourquoi, toujours à de la presse écrite, moi. Bon, ben ça fait plaisir, je m'en vais de suite, je vais vous laisser. Hein. et outre iCreate, l'excellentissime iCreate que j'ai mis rarement. Quoi ? Vraiment, je suis en voiture. Attends, regardez, il est magnifique avec Mountain Lion en couverture. J'ai un abonnement à 4 autres magazines. Je me suis fait avoir un jour par une publicité mensongère d'une carte de crédit. Et je reçois toutes les semaines ou tous les mois, je reçois des journaux tels que Géo, tels que Elle, tels que AD ou encore le Nouvel Obs. Et ben, vous savez quoi ? Depuis quelques semaines, je reçois dans mon mail un lien pour télécharger ces applis directement sur mon iPad pour aller les lire. Et je me dis, c'est pas mal du tout, c'est fait avec Xinway, vous trouverez ça sur l'iTunes Store. Donc si vous êtes abonné, moi il me facture rien de plus.
c'est gratuit et j'ai la version électronique du magazine. Donc c'est pas bête. Allez, j'ai vraiment un joli coup de cœur cette semaine, ça n'a rien à voir. J'ai trouvé un site qui fait le top en temps réel des ventes sur toutes les plateformes de store, à la fois pour les applications gratuites et les applications payantes. Vous connaissez ? Vous en avez un en tête ? AdSfire, non ? Eh non, ça c'est mobile. Ah oui, d'accord. Ok. On sait qu'Apple en a racheté une il n'y a pas très longtemps, donc elle a disparu. Voilà, et bien c'est pas ça. En fait, ce qu'ils vendent, c'est qu'ils ont 125 000 apps qui utilisent les services de cette boîte, qui permettent de traquer les ventes par jour sur les différentes plateformes, par lieu, etc. Mais pour les gens qui ne payent pas le service, c'est gratuit. Tu peux aller voir le top des 200 ou 300 meilleures applications mondiales par pays, en France, les gratuites, les payantes. C'est vraiment très bien fait. C'est très joli graphiquement. Ça s'appelle App Annie. Et je vous conseille d'aller voir ça. C'est très, très chouette. Et c'est là où moi, je vais voir, donc je vous donne un petit secret, certaines des apps que je vous propose parfois. Je vais voir, tiens, qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette semaine ? Qu'est-ce qui monte ? Qu'est-ce qui descend ? Merci Rodrigo pour ces coups de cœur. Tu parlais de magazine un instant, un premier coup de cœur pour un magazine, comme quoi la presse écrite, si on l'a fait avec passion et talent, elle se porte bien. Un coup de cœur pour Workflow, regardez cette magnifique couverture, on va la diffuser en plein écran, ce sera beaucoup plus clair. Workflow, qu'est-ce que c'est ? C'est le premier magazine dédié à la chaîne de l'image, que ce soit pour trier, sauvegarder, retoucher, imprimer ou partager ses photos. C'est un tout nouveau magazine, c'est édité par Le Monde de la Photo avec qui on partage nos locaux ici d'Acriette. Si vous êtes fan de... Vous êtes un geek, je pense que ça va vous intéresser. Vous êtes un fan de photos comme Rodrigo, vu qu'il m'a déjà demandé par Twitter de lui en mettre un de côté. Je pense que ça pourrait vous intéresser. Ça vaut 7€ et c'est déjà en kiosque. L'autre coup de cœur ce soir, c'est un clavier. Alors, il y a beaucoup de housses aujourd'hui pour l'iPad 2 et l'iPad 3, des housses, notamment avec avec des aimants comme la Smart Cover, l'une que j'aime bien, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est un modèle qui est commercialisé par Logitech, qui s'appelle l'Ultra Fine Keyboard Cover, c'est disponible en noir ou en blanc, c'est quand même plus joli sur la vidéo, la voilà, et l'intérêt effectivement c'est qu'elle est aimantée, donc vous pouvez la retirer et le remettre et l'associer à votre iPad comme une simple housse, mais à l'intérieur vous avez un clavier et Bluetooth. Alors c'est un petit peu cher, ça vaut 99€, mais ça marche super bien et je crois que l'autonomie est pas mal. On le testera dans le prochain numéro d'iCreate. Voilà, on y est arrivé au terme de cette émission. Merci messieurs, dames d'avoir participé à ce 114e je crois numéro dont refait le Mac. Vous retrouvez Cédric dès samedi dans plein écran. Qu'est-ce qu'il y a donc au menu sur LCI à 14h10, Cédric, sur plein écran. Sans surprise, il y a la première partie de notre visite de Seatech à Tokyo avec, on va se concentrer sur toutes les choses autour des énergies vertes et puis vous me verrez en train de conduire une voiture sans conducteur. Dingue. C'est dingue. On a hâte de c'est voir dingue. Ça. Bien. Vous retrouvez... Il y a un paradoxe là. Comment tu peux conduire une voiture sans conducteur ? Ah, il faut regarder l'émission pour savoir. Ça s'appelle... Réponse 14h10, ça me dit en plein écran. Qu'est-ce que vous le savez en regardant Alcy. Parce que James Bond, il conduisait sa BM avec un téléphone Nokia ? Ouais, mais c'est Sony Ericsson. Non, là, c'est comme si l'homme invisible était dans le fauteuil du conducteur. Moi, je suis dans le fauteuil passager, il n'y a personne à côté et ça conduit. Bien, est-ce que vous me permettez de conclure cette émission ? Fini, puisqu'il faut y aller là. Voilà, et oui. Vous retrouvez donc Fanny Bouton chaque semaine, bien sûr, dans Refait le Mac sur Twitter, at Fanny's Party, notamment. La prochaine Fanny's Party, c'est pour quand, Fanny ? On a un petit peu de temps, j'en fais une spéciale pour les enfants le 18 novembre, une Geek Kids Party. Et donc voilà, ce sera tout mignon. Et sinon, vous pouvez aussi me retrouver avec d'autres collègues journalistes qui mettent des coups de cœur, c'est sur 1110.com. 1100.com. Bien. Et quant à Monsieur X, vous le retrouvez sur son Twitter, @TrueMisterX, le vrai Monsieur X. Et Rodrigo, vous le retrouvez partout. En ce moment, son article sur les pigeons a fait beaucoup buzzer. Et bien sûr, sur Twitter, @Rodrigo. Voilà, c'était sur blog.rodrigosepulveda.com ou sur Les Échos. Ouais. Voilà, très bien ce papier. Mais méfie-toi, le journaliste ça paye pas. Hein. Reste investisseur. On t'a averti pourtant. Voilà. C'est pas faute de te l'avoir répété. Voilà. Hein. Voilà. Je peux peut-être sentir des odeurs de cake chez moi, tu vois. Oui, ben ça, oui. On n'a pas l'odeur dans l'émission. Rien à voir. On n'a pas l'odeur dans l'émission parce que voilà, à côté de chez Cédric, ça cuisine en ce moment. Voilà. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec ou sans iPad Mini. Vous aurez la réponse la semaine prochaine. Bonne soirée à tous. Au revoir.